French touch. Bonjour. 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 Alors vous m'entendez bien? Je m'appelle Pierre-Alexandre Mpelé, je suis Head of Editorial... Ah, j'enlève le masque. Ouais. C'est mieux. Et par contre, t'as perdu ton micro du coup. J'ai perdu mon micro. Ouais, il est pas loin. Là, on m'entend? Ouais. Je vais le tenir. Donc, je m'appelle Pierre-Alexandre Mpelé, je suis Head of Editorial Content chez GQ en France et je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Paul Goud, qu'on ne présente plus, réalisateur, photographe, illustrateur, artiste, qui nous a fascinés depuis bien longtemps, et Alexandre, qui est le fondateur et directeur artistique de la maison Ami en France. Donc, on va parler de leur collaboration pour les 10 ans de Ami. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet? Pourquoi Alexandre, Jean-Paul Goud? Et Jean-Paul, pourquoi oui à Alexandre? Je commence? Oui, vas-y. L'idée, c'était pour les 10 ans de célébrer un peu notre, la maison, de célébrer les 10 ans de travail et puis surtout célébrer notre logo, enfin notre logo qui est avant tout une signature, car c'est, c'était un truc que je dessinais quand j'étais petit et qui est devenu le logo de la maison. Et je voulais... absolument faire quelque chose de génial, et comme Jean-Paul il est génial, je me suis dit que c'était une bonne idée, et du coup on s'est rencontrés comme ça, on s'est appelés, on s'est dit voilà, est-ce que vous aimeriez travailler avec nous, est-ce qu'on pourrait réfléchir à quelque chose ensemble, et il a dit oui, et la suite tout s'est très bien passé. Est-ce que le micro il marche? Il marche, il faut mettre plus proche, je crois. Ah, il est plus proche, oui. Bon, je me mets plus proche. Non, ça a très bien passé. Ça arrivait à un drôle de moment parce que j'étais couché depuis 2 ans. Je suis tombé et je me suis fait très mal. Je m'en suis cassé tout le squelette, les mains, tout. Mais ça allait un peu mieux et il m'a redonné du courage. Sa visite, ne serait-ce que sa visite, déjà le voir, son allure, quelqu'un de gentil, jeune, marrant, enthousiaste, c'était déjà formidable. Il s'assoit et il a un projet formidable. Alors ça, c'est double whammy, comme on dit en américain. Donc j'ai suivi le truc. Moi, j'aime beaucoup la partie du film où il y a le logo qui tourne autour de la Tour Eiffel parce que c'est joliment fait. Le début, c'est pas mal. Mais enfin, il n'y a pas de quoi non plus. Bon, on est tous d'accord. Mais ce qui remonte le petit film à la fin, c'est le truc à la main. Mais sinon, c'est mignon, mais tout le monde peut faire ça. Quoi. Bon, voilà. Donc, si vous faites dans un gros ballon, tout le monde peut le faire. Non, mais ce qui est dingue, c'est que quand on a commencé à se parler de cette histoire, parce que ouais. Tout de suite, on rentrait dans la poésie, dans la magie, dans Paris, ouais. Parce que c'est aussi nos codes. Jean-Paul, au départ, voulait me faire grimper la Tour Eiffel. Et puis après, j'ai dit, oh là là, grimper la Tour Eiffel, ça va m'essouffler, sachant que c'était bien truqué. Mais après, on a eu l'idée, et tu as eu l'idée de me faire gonfler ce gros ballon et que je m'envolerais avec, sachant que l'histoire qui est géniale là-dedans, c'est que moi-même, j'y crois, parce qu'à la fin, je me vois vraiment en train de tourner autour de la Tour Eiffel comme ça. Mais les enfants que je rencontre, les gamins, et même ceux de ma famille, les neveux, les nièces, qui pensent vraiment que je me suis envolé comme ça au-dessus de Paris et autour de la Tour Eiffel. Bah alors, j'aurais pu faire cette partie-là, j'aurais pu la réussir mieux. On n'est jamais satisfait. Non, mais faut dire qu'on a, parce que c'est le genre de choses qu'on fait avec énormément d'argent pour faire un film. Tous les trucs dangereux et tout ça, c'est pas possible. Donc tout ça est très stylisé, comme un enfant aurait fait, quoi. Comme au bois de Vincennes, vous prenez vos soldats puis vous les faites marcher comme ça. Et c'est un petit peu comme ça qu'on l'a travaillé. Mais la seconde partie est difficile à faire. Le cœur qui tourne autour de la Tour Eiffel, on voit la Tour Eiffel un peu en transparence, ce qui n'est pas étonnant, et ce qui est vraiment intéressant. Et puis surtout, tous les autres ballons qui s'envolent pour accompagner maman, qui s'en va en l'air. Voilà, c'est comme ça que j'ai interprété la chose à fabriquer.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre au cours de cette collaboration, au cours de ce projet ? Moi, j'ai appris que je ne m'étais pas trompé au premier regard. Je l'ai tout de suite, comme on dit, senti. L'allure, naturellement, sa façon de s'exprimer aussi, mais surtout l'allure. C'est des gens que je remarque dans la rue, par exemple, quand je te connaissais pas. Je te regardais, tiens, monsieur, il est pas mal sapé. Il a une allure. Il a de l'allure. J'aimerais bien savoir où il s'habille. Ah, voilà qui est plus commercial. Mais... Non, c'est vrai, il est inspirant. C'est un personnage inspirant. Et ça fait super longtemps que je suis dans ce métier. J'ai passé ma vie dedans. Et j'en ai pas rencontré beaucoup de comme ça. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors, quand on commence à... Merci beaucoup, tu me diras combien je te dois. Le truc le plus dingue, c'est que quand on commence à réfléchir à cette pub, à ce petit film, je ne suis pas complètement encore dans l'histoire. Enfin, je ne suis pas censé jouer le premier rôle. Et puis, on avait parlé casting, on commençait à penser à une fille ou un garçon. Et puis, il m'a dit, à un moment donné, mais laisse tomber, de toute façon, c'est toi qui dois le faire. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un peu rendez-vous avec mon destin. Parce que c'est vrai qu'il y avait une occasion formidable. Et je me suis même imaginé en train de montrer ce truc à mes gosses, que je n'ai pas encore. Mais un jour, je dirais, papa, il a fait une pub avec Jean-Paul Goude. C'est pour ça que j'aurais pu aller plus loin. Bah, on le refera, voilà. On va recommencer. Oui, il m'aurait foutu carrément à poil. Je n'ai pas été à la hauteur de la situation parce que je ne connaissais pas le héros non plus. Non, on apprenait à se rencontrer. On apprenait à se rencontrer, oui. Et du coup, moi, j'étais danseur quand j'étais petit et j'ai senti que ces deux journées de tournage, elles allaient être intenses et que d'un seul coup, je me mettais un peu en danger finalement parce qu'être créateur de mode, c'est pas faire ça normalement. On n'est pas en train de faire du ballon autour de la Tour Eiffel. Et du coup, sur les deux jours de tournage, j'ai senti, je m'étais préparé physiquement, quelques mois d'entraînement. Non, mais je m'étais dit, bon, il faut que je sois vraiment au point. Et pour la petite histoire, je me suis cassé la main le jour du tournage. À la première heure du tournage, d'ailleurs, et bien sûr, j'ai fermé ma gueule. Après avoir fait trois pirouettes. Trois pirouettes, et bah. Il m'a fait danser, il m'a fait chanter, parce que ça, on ne le voit pas, parce que ça a été coupé au montage, mais j'étais censé chanter La Vie en Rose. Donc, on a tout fait, et j'étais vraiment à nu, parce que je prenais aussi le risque de... Enfin, je n'avais pas peur de prendre le risque, mais je sentais que j'étais aussi de me mettre dans, une position particulière. Je ne croyais pas qu'il était danseur. Je croyais qu'il se vantait. Il disait, ouais, j'ai été danseur. J'en connais plein. Moi, j'ai été danseur, je sais ce que c'est. Mais lui, il était sur scène, tout seul, il connaissait personne. Il me regarde, je dis bon, ben, double ton en l'air, s'il te plaît. Comme dans une classe de danse, il se met en position. Bon, 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 il retombe impeccable. J'étais sur le cul. Tu veux nous le refaire là ? Hein ? Tu veux nous le refaire ? Oh, ben non, je ne peux pas. Ouais. Mais dans la vidéo, dans le making-of, on le voit, je fais une petite pirouette. Non, vraiment, il le fait, c'est impeccable. Ça tombe, 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 pompe. C'est pas. Il y en a plein qui font des tours en l'air. Un peu moche, hein, dans le music-hall. Dans le music-hall, on voit des mecs qui tournent un peu. Mais lui, non, c'est comme les Russes. Hein, appel, il monte là, les tours se passent là, il redescend. J'en ai fait qu'un, pas deux. Hein. C'était un, je crois. Bah, tu m'en as fait voir deux. Ah. C'est là où t'es fort. Eh bien, c'est bien. Alors, à travers cette vidéo, il y a un message de joie, il y a un message de fraternité, il y a un message intergénérationnel. De quoi le monde a-t-il besoin aujourd'hui pour continuer de pousser la créativité et l'art ? Bah, moi, j'ai toujours été plutôt rigolo, donc c'est vrai que je ne suis pas rigolo, dans le sens, je ne peux pas créer dans la mauvaise humeur, je ne peux pas créer dans l'anxiété, je ne peux pas créer dans le stress. Donc je suis naturellement toujours très sympa, optimiste, rigolo. Enfin, j'ai pas peur de créer dans la bonne humeur. Et c'est vrai que la bonne humeur, c'était pas forcément la mode pendant des années. La bonne humeur, enfin, surtout dans nos métiers où il faut être un peu snob, il y a une posture comme ça qui nous enferme parfois dans quelque chose d'un peu prétentieux et d'un peu exclusif. Et ça, c'est pas ma came du tout et je l'ai jamais été. Donc c'est vrai que quand on se rencontre tous les deux, on est quand même plutôt positif, optimiste et on a plutôt tendance à créer des étincelles qui sont plutôt... des bonnes étincelles. Je pense que cette pub, quand elle est sortie, on sortait du confinement. En plus, elle est sortie en mai. On sortait encore de ces périodes un peu difficiles. Ça ne me venait pas à l'idée d'arriver avec quelque chose de prétentieux et de dur et de grave. Donc, c'est vrai que ça a fait du bien à tout le monde. Et puis, les affiches qu'on avait mis un peu partout, dont la grande affiche du Théâtre du Châtelet, qui se confondait presque le ciel bleu avec le ciel bleu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression qu'on était dans quelque chose, dans une bulle comme ça, très, très positive. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est la bonne humeur, la joie, la passion, le rêve. Il faut que ça soit rigolo, quoi. Je n'ai rien à dire dessus. Je suis d'accord avec lui. Complètement, à 100%. Il n'y a rien à rajouter. Bah, je ne crois pas. Non. Enfin, si, dans l'absolu, tu pourrais dire... Tu pourrais danser, même. Ouais, bah, on a déjà demandé, là. Je sens le truc. Demandé. Non, je peux chanter, en revanche. Ça vaut le coup, hein, de le voir faire. Vous ne voulez pas essayer, comme franchement... Non, 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 non.
Je vais me planter, ça n'a pas de sens. Non, c'était très... T'imagines la salle entière veut te voir danser. Non. Ah non, mais je le ferai pas. Non, mais c'est complètement ridicule. Non, oh, vraiment, j'ai quand même dans le soir, la nuit, avec un verre d'alcool. La bonne humeur. Mais oui, mais je l'ai, la bonne humeur. Vous avez déjà vu ça. Faut pas le gêner. Il est très timide, en fait. Jean-Paul et ensuite ouais. Alexandre, quelle est pour vous la plus belle expression de la créativité ou de l'art? La plus belle. Un exemple, une œuvre. Une œuvre ou une danse. Écoutez, je sais pas mon style de donner une espèce de définition comme ça, mais en tous les cas, pour moi, à chaque fois que je fais un truc spontanément, c'est 100 fois mieux que de le faire après des recherches. Ce que j'essaie de faire dans mon travail à moi, et j'imagine dans le sens pareil, c'est retrouver le moment où on a eu l'idée. On a enthousiasme et après on commence à réfléchir. Ah oui, mais si, on s'éteint. Et on réfléchit trop. Et la bonne idée des départs se trouve gênée par les précautions qu'on prend. Et finalement, ça ne ressemble plus à rien. Non, ce qu'il faudrait, c'est arriver à un stade. Voilà, c'est bien. Et rester derrière pour que ça se développe malgré les défauts quelquefois. D'ailleurs, quelquefois, les défauts font les qualités. On a des surprises. On fait un produit, bon, les gens vous disent oh, c'est pas terrible ça. Mais justement, c'est ça qui plaît. Ah. C'est la tarte tatin, quoi. Hein, c'est la tarte tatin. Pareil, c'est drôle, tu vois, on n'en a jamais parlé, mais moi je suis exactement tout à fait d'accord. Je me fais aujourd'hui suffisamment confiance, et l'expérience me l'a prouvé, que les premières idées sont souvent les bonnes. Donc, parfois, elles méritent un peu de travail, un peu de réflexion. Et d'ailleurs, je prends le temps de réfléchir maintenant un peu, mais vraiment, la première idée reste toujours la bonne. Et comme tu dis, les défauts, par exemple, la veste que tu portes aujourd'hui, c'est une veste qui aurait pu être réglée, qui aurait pu être encore... Par des principes, tu vois, de fitting, de proportion, de détails, de techniques qui auraient pu être réglés. Par exemple, quand on a fait cette veste la première fois, on a eu tendance en pensant que... Moi, j'ai pensé que c'était très bien comme ça. Puis derrière, il y a un technicien, un modéliste ou un regard extérieur qui a dit peut-être que le dos il est un peu trop long, peut-être que la manche pourrait être un peu plus fitée. Et finalement, j'ai cru en fait que c'était comme ça, c'était très bien. Et que de toute façon, il fallait se faire confiance et... un monsieur que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Jacques Picard, que tu connais aussi peut-être, qui m'avait dit, et je le cite très régulièrement, parce que c'est vrai, c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup, qui a beaucoup résonné dans ma vie, c'est même quand tu as tort, tu as raison. Voilà. Et quand on a tort, de toute façon, il n'y a que nous qui savons, mais je pense que dans la créativité, le fait de se tromper peut être extrêmement charmant. Utile. Et quel a été le plus grand challenge lors de la réalisation de cette vidéo? C'est un challenge pour toi, c'était pas énorme. Pour moi non plus d'ailleurs. Même, je me suis quand même suspendu pendant 3 heures à une tige en métal. Hein. Non, mais pour lui, de toute façon, il a fait ses 3 tours en l'air. C'est un performer. He's an artist. Non, mais c'est techniquement comment se mettre là autour de. C'est une technique que tout le monde utilise, la 3D. C'est du temps passé dans un labo, ce qui est un peu dommage parce que moi j'aime bien passer du temps dans mon labo à moi, c'est-à-dire sur ma table. Là, c'est l'obligation que tu découvres. En tant qu'illustrateur, je suis resté, je suis toujours un illustrateur. Tu as besoin de gens qui techniquement vont te servir fidèlement. Donc la difficulté, c'est d'abord rencontrer l'artisan qui va réaliser ce que vous cherchez à réaliser et le garder. Il peut être très très bien, mais ne pas aimer ce que vous faites, par exemple. Donc il fait ça un peu les doigts dans le nez. Mais il y a des mecs qui commencent, mais on voit qu'ils feraient tout pour y arriver. Donc j'ai tendance à préférer à ça, à la bonne volonté, que le cynisme des gens qui savent tout sur tout. Je vous avais compris quelque chose, vous avez la chance. C'est très clair, c'est très bien. Très bien. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou pas? Oui, on a encore 53 secondes, on peut déborder. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Non. On peut revoir le film. Ah oui, avec plaisir. Je vais vous le rejouer, même, tiens. Ah. On peut le revoir?
Si, ah, j'adorais le revoir. Moi, je l'ai vu mille fois. J'en peux plus, je l'adore. Merci, on le regarde. Mais on l'admire. Champagne. Je vais le mettre. C'est moi qui cours en bas, ça les gens ne les voient pas, en petit. Parce que ça sur Instagram, c'est genre 2 mm. Hein. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, parce qu'il n'y avait personne ce jour-là. On est devant un studio. Micro. On a reconstitué les marches comme ça de l'esplanade. On n'en a pas fait plus. Non, il y avait quoi, peut-être 10 figurants, 15 figurants, et on les a répétés. Et là j'ai des copains dedans, j'ai des potes qui sont venus le jour du tournage. C'était marrant rigolo. Parce que c'est comme, et si on faisait un film, et si on faisait quelque chose, on n'en a pas les moyens vraiment, mais il y a la volonté des adolescents qui, quand ils réalisent quelque chose. Il y avait un côté bricolage quand même, mais ouais. Bricolage intelligent, parce qu'à la fin, c'est, en effet, c'est de l'image, c'est de la 3D. Le cinéma, c'est du bricolage. Mais oui, et la mode aussi. C'est du bricolage avec high-tech, mais c'est du bricolage quand même, puisque... On arrête avec un bouton. Je ne vais pas essayer de faire une conférence en ce que je ne connais pas. Il y a une sincérité aussi quand on regarde la vidéo et quand on voit l'affection que vous avez pour l'un pour l'autre. Est-ce que vous aurez des conseils à donner pour les personnes qui recherchent justement cette sincérité dans leur collaboration ? Parce qu'il y a beaucoup de collaborations aujourd'hui dans la mode et toutes n'ont pas cette sincérité-là. Plus que jamais, si on a le choix. En tout cas, nous, on est très indépendants, très libres dans nos choix avec Nicolas qui est à côté de nous aujourd'hui, on a vraiment des réflexions qui sont des réflexions de gamins. Enfin, je veux dire, on kiffe, on rigole, on n'aime pas, on n'aime pas, on s'emmerde pas, quoi. Donc, du coup, je pense qu'en plus, créativement, moi, quand je m'approche de quelqu'un ou quand je suis approché par quelqu'un que parfois j'admire ou parfois que je ne connais pas, mais je cherche toujours à créer ce lien-là, le lien le plus pur, le plus authentique, le plus sincère, parce que de là naît quelque chose qui sera transmis à l'extérieur. Je ne pense pas que les gens puissent les avoir aujourd'hui. On peut pas prétendre que l'association de deux noms aussi grands que celui de Jean-Paul par exemple puisse ne fonctionner que de manière opportuniste. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait une histoire d'amour, une complicité, un truc qui soit vrai. La preuve, on est encore là 9 mois plus tard à se présenter devant vous avec la même énergie, la même complicité. Donc c'était quelque chose de vrai et c'est quelque chose qui reste, qui va rester en tout cas pour nous à titre extrêmement personnel. Moi c'est une des plus belles histoires de ma vie, ce qu'on a fait ensemble. Non, c'est une belle rencontre, oui, je suis content. C'est une des belles histoires. Mais une des belles histoires. Non, mais t'es pas le seul. T'emballes pas. Non, moi j'ai cru que c'était une déclaration. Non, mais t'es une des plus. C'est magnifique, je me sens comme un gosse. C'est l'amour de sa vie. Ben voilà. Non, mais parce que voilà, je sais que t'aimes pas forcément l'entendre, mais je suis sûr que t'es content de l'entendre. Moi j'ai grandi avec les images de Jean-Paul. On a pour beaucoup grandi avec des images qui sont restées, qui sont devenues. Alors je ne sais pas si c'est le mot iconique, mais ça reste dans nos mémoires d'enfants. Et j'aime les Madeleines de Proust. J'aime, chez Ami en tout cas, toujours essayer de réveiller un peu notre âme d'enfant. Et c'est pour ça que parfois j'utilise un peu des codes qui sont, qui peuvent sembler même parfois un peu ringards. Mais moi, j'aime l'enfance, j'aime les souvenirs que ça nous touche. J'aime quand ça fait goosebumps sur l'avant du bras. Et voilà, c'est des vrais sentiments. Donc, conserver une naïveté en fait dans le travail. On doit couper, on commence à se faire engueuler. Bah oui, ça y est. Ah oui, ça y est. Bon, bah merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Jean-Paul Goud, Alexandre Matissier.